Bien, bonjour à tous, je vous retrouve dans un nouvel épisode de YOLO Mineshaft. Donc, la query, elle a avancé tout doucement. Je l'ai laissé tourner toute la nuit, bien sûr. Malheureusement, elle est tombée en panne de carburant, ce qui est assez emmerdant parce que du coup, elle a rien miné de la nuit, quoi. Il y a même un zombie qui a spawn. Du coup, comme minerai, on a eu tout ça pour le moment. C'est que dalle. Le coffre là, par contre, il commence à se remplir et le reste va dans le void. Ce que je comptais faire, les lags s'il vous plaît, merci. Ce que je comptais faire, c'était vous savez, les Electric Engine, ici. En fait, il faut les relier. Il faut les relier avec de l'électricité industrielle craft, donc les panneaux solaires, etc. Et donc, vu que je vous ai jamais montré le craft du panneau solaire. Parce que là j'en ai que 3, ça va pas être suffisant, je pense que ça va pas faire tourner la query ça. Donc je vais en faire nettement plus. Et on va rallier ça aux engines qui vont être mis quelque part d'autre à côté. Et on va les relier avec les vous savez les stones là. Les kinesis qui permettent de transporter de l'électricité. Qu'on ne s'est pas encore servi, et je vais peut-être essayer de me faire une MFE au lieu de faire une bad box, et je vais essayer de faire ça avec vous. MFE, 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 ça coûte. Ouais. On n'a pas encore de diamants. On n'a pas de diamants, ça va être chaud. Ce qu'on va faire. On va faire plusieurs panneaux solaires, c'est pas grave. On est parti. Je vide mon inventaire, je prends tout ce qu'il faut pour faire les panneaux solaires et je vous retrouve tout de suite. Re tout le monde, donc voilà, je vous retrouve. On est parti, panneau solaire. Je vais quand même mettre le craft parce que je ne connais pas par cœur. Enfin, le panneau solaire, si, mais ses composants, non. Générateur et tout. Alors, on va déjà essayer d'en faire 3. Donc, il nous faut 3 iron furnaces. Pour ça, il nous faut de la cobble. Ferme la porte comme ça. On va pas être emmerdé. Donc il nous faut déjà 3 fours. Hop. 3 fours. Il nous faut du iron. 5, ok. Donc il en faut 15. 15 plus 9, ok. On va faire 25, vous savez quoi comme ça. Ah le marteau il a pas survécu. Super. Et comme ça vous voyez en même temps le craft du marteau qui est indispensable dans Industrial Craft. Maintenant c'est. Ok, j'en ai mis trop. Comme ça sans le sac à dos. Voilà. Ça et la pince, c'est indispensable d'ailleurs la pince. Je vais regarder. Ça attendra qu'on ait assez de plaques. Sur la pince, elle est encore vivante. Alors, du coup, on a ça. On va faire les Iron Furnaces. Voilà. On en a 3, ça c'est fait. Hop. 3 comme ça. Les Iron Furnaces, c'est bon, on a ça. Là, il nous faut. Ah! Des tines. On a encore du tin ou pas au moins. Je vais dormir comme ça. Je suis pas emmerdé par les monstres et tout. Ah c'est chiant ça me TP toujours dehors. Alors que je bouge le lit de place. Mais bon, de toute façon, toute la cabane ici c'est du provisoire. Plus tard on aura notre villa enfin maison, villa type moderne et tout avec des sous-sols. Voilà. Ça va être vraiment bien. Là, le tin, c'est bon, on a déjà des plates. On a déjà quelques câbles, il nous en manque un. Donc vous savez quoi, on va faire ça. Voilà. Nous en faut pas plus du rubber, j'en ai plein. Maintenant, j'ai été refaire le plein. J'ai encore des arbres qui poussent là-bas. Si vous connaissez le mode, vous avez déjà dû les repérer l'épisode précédent. Le call. Le coal, on en a 7, je vais mettre les 4 derniers pour être sûr d'en avoir assez. Hop.
Faudra faire plein de câbles insulate. Ah oui, mais il manque les plaques de fer. Va falloir que je m'en fasse plus. Du coup, on va sur la moitié. Il manque les plaques de fer pour les. On s'en demande que un à chaque fois, donc il m'en faudra trois de plus, quoi. Mais c'est pas ça qui demande le plus cher, mais bon. Alors, du coup, ça, générateur, ça, il faut de la redstone. Et donc ça en donne deux à chaque fois. Donc il me faut deux plaques de tin. Donc là ça m'en fait deux. Voilà. Et il m'en manquera deux plaques de tin. Mon tin, je sais absolument pas où je l'ai mis. Tin, voilà. Pouf. Je crois même que j'en ai un petit peu trop. Redstone G. 2, 3. Hop, on place une, deux, trois. 2, 3, 1, 2, 3. Voilà, j'en ai fait de trop, c'est bien ce qui me semblait. Ou au pire, je ferai un quatrième panneau solaire. De toute façon, c'est pas ça qui est plus dur à crafter. De toute façon, pour le truc au-dessus, il m'en faut 8. 8 et un Heavy Transform pour le panneau solaire du dessus. Donc, des panneaux solaires comme ça, c'est pas ça qui coûte le plus cher. Donc, pour les Electric Cables, ça, je connais le craft, c'est comme ça. Et en fait, non, on aura assez. Ah attendez, non, j'ai pas fait le générateur encore. Je suis seulement craft du générateur. Je suis déjà occupé de m'enflammer à faire. Ouais, c'est bon, on a fini. Hop, une, deux, trois. Ouais, si, c'est bon, en fait, j'en aurai assez. Générateur. Ça. Il faut redstone, redstone. Pouf, pouf. Cap, j'aurais pas assez. Tout pile pour deux. Facebook, ta gueule, s'il te plaît. Voilà. Câble, il me faut du copper. On va tout se transformer en cap quasi de toute façon. Copper, ça sert à ça. Tout insulé. Pouf. Et ben, on va pouvoir en faire un dernier. Hop. Et le reste, ce sera pour brancher. Hop. 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 Et voilà. Donc, maintenant, on peut mettre en place. Ah, je suis niqué. Mais je suis un baiser de la life. Parce que. Il m'en faut un deuxième! Il m'en faut un deuxième, donc il m'en faut trois de plus! J'ai pas assez de câbles! Et du copper, je sais. Si je crois que je dois en avoir à fond de tout plein en fait, mais. Je sais pas, j'irai voir et. Qu'est-ce que je fais? La pince, pouf, on coupe tout, ça fait des câbles, je suis pas sûr que j'aurai assez, pas grave. Enfin, si, c'est grave, mais. Vous m'avez compris, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Si, c'est bon, j'ai tout pile assez. Il en restera un peu pour brancher. Ça, j'en ai assez aussi. 3, ouais, pas grave, j'en ai mis 4. Boum! Et c'est bon, les gens! 1, 2, 1, 2, et hop. Les générateurs, là, il faut de la dust de charbon. Je vais voir si du copper j'en ai. J'en ai un petit peu. Toujours 7 prix. On va faire fond. Ouais. Ah, merci. On va faire fondre ça. Ça nous fera le double. On en aura déjà 12. C'est plus pratique que rien. Du coup, ça, que je me trompe pas, c'est comme ça. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà. Le verre. C'est sans faire un. Et il manque du verre. Le sable est dans le coffre. Ah, vous savez quoi, je vais tout transformer, c'est un peu vite. Comme ça, j'en aurai en rab pour plus tard. Du coup, bah, ça s'occupe de travailler. Bon, je vous montre pas les bases du truc comme quoi on met de la poudre, enfin du minerai dans le macérator, ça fait de la poudre. La poudre, faut la faire chauffer, comme ça donne du minerai. Parce que je trouve que, enfin. La plupart des gens doivent connaître maintenant avec tout ce qu'il y a eu sur Feed the Beast, etc. Donc je trouve pas ça utile. En plus, c'est pas un guide un guide de. Pas de FTP, parce que c'est pas vraiment du FTP, c'est vraiment un mode pack pour ceux qui ont déjà téléchargé le mode pack. Le savent, c'est
Vraiment plein de mod pack diff enfin de mods différents dans le même mod pack, tous les quasi enfin beaucoup de modes de 1.7.10, mais voilà. Mais la plupart des gens connaissent la base de d'Industrial Craft, etc. Donc je trouve pas nécessaire de devoir commencer à dire tout ce qu'Industrial Craft fait. Bon, il reste deux sables à cuire. Du coup, ben, on a mis notre nouveau panneau solaire. On va pouvoir relier ça. Faut que je trouve un endroit de sortie, par contre. Faire ça, ben, là. Clairement, ça va être dégueulasse, mais on va faire ça ici. Pour le moment. Et c'est ce que j'avais peur que ça fasse, ça se relie. Ouais, c'est pas bon. Ah, ok, j'ai que deux câbles. Super. On va mettre ça sur le côté là. Du coup. Hop. Et il reste du comme ça. Du coup, faut que je me refasse des câbles en copper. C'est bon, le sable il a fini, oui. Boum. Les câbles en tin, je les garde pour. Je les utilise pas pour brancher, je les garde pour faire du. Comme vous avez pu le voir, des batteries. Ah, des re-batteries. Tout l'aluminium. C'est bon. Les coffres, faudra vite que je trouve quelque chose et que je déménage vite dans ma base, ma vraie base, mais qui sera pas finie directement, quoi. Ok, faut que je me refasse une pince, super. Ah bah vous verrez le craft de la pince. Je suis niqué, c'est pas comme ça. Là, c'est comment? Attends, c'est comment en plus que ça s'appelle ce truc-là? Attendez. Cable. On va regarder comment faire des câbles, ce sera plus sympa. Cutter, voilà. Hop. Ok, c'était comme ça. Non, pas celui du milieu. Pas celui du milieu. Ah, voilà, cutter. Et avec le cutter, on fait boum, boum. On met du rubber de chaque côté pour insuler. Et on voit là, on a du câble insulé qui ne donne pas de charge électrique. On va faire un câble comme ça qui passe là. On va mettre nos engines. Ça va clairement être dégueulasse pour le moment, mais c'est pour le moment. Voilà. C'est ce qu'il faut se dire. C'est que vraiment pour. Ça, je vais en faire plus même. Wooden Kinesis. Ça. Je vais en faire nettement plus. Je vais en faire 21 parce que j'en aurai pas assez. Normalement là. Normalement c'est bon. Par contre la nuit tu vas arrêter de venir me faire chier. Tant que ça ne perd pas d'énergie, parce que je crains que. Peut-être faire ça moins loin aussi. Du coup vu qu'on a plus de câbles. Et je préfère utiliser des câbles Kinesis que les coppers en fait.
Qu'est-ce qu'il me fait, lui? On va aller dormir. J'espère qu'avec ça, la query, ben elle minera plus vite. J'espère que la query, elle minera plus vite. Par contre, le coffre là, il va vite me faire chier. Du coup, on va le changer de place. Voilà, avancer. Hop, on va mettre ça. Ah, le jeu. Ah. Ah, voilà. De temps en temps, il y a des petits freeze comme ça avec le serveur. Des petites lagouilles, mais rien de méchant. Sauf quand il crash. Ça, c'est moins cool. Hop, comme ça. Ce sera plus simple de l'emmener par l'autre côté. Le port, on devra sauter au-dessus. Et tu me le places, s'il te plaît. Et alors, tout le monde, je vous retrouve à l'endroit, presque à l'endroit où je vous avais laissé la dernière fois, enfin tout de suite là avant de vous quitter, à cause du petit. Enfin. Du gros bug qu'il y a eu sur le serveur. En fait, je vous explique. Le serveur, c'est comme je vous ai déjà expliqué brièvement, c'est un serveur créé par Halo. Et en fait, ce serveur avait. Enfin, Halo l'avait mal branché et du coup, il a été débranché. C'est pour ça que je n'arrivais plus du tout à rejoindre le serveur. En fait, si vous voulez, j'ai essayé plusieurs fois de le rejoindre, etc. Ça n'a pas marché, donc j'ai contacté Halo qui a été chez lui, le rebranché, etc. Après, il y a eu un souci parce qu'il m'a mis que dans les logs qu'il y avait une corruption, donc j'avais perdu tout mon stuff. En gros, j'étais un nouveau perso qui venait d'arriver. C'est comme si j'étais jamais venu sur le serveur. Du coup, il a dû remettre le backup d'un peu plus tôt dans la journée. Donc voilà. Donc début d'après-midi, d'une heure à deux, j'avais joué. Enfin, j'avais juste fait avec vous. Je m'étais pas, enfin si je m'étais connecté avant quoi, mais j'avais juste fait avec vous ce qui était panneau solaire, etc. Et donc c'est pour ça qu'il y a quelques petites modifications. J'ai déjà fait le branchement et tout, j'ai tout terminé. La query est en route, comme vous pouvez le voir, mais je vais vous expliquer le système, ne vous en faites pas. Les panneaux solaires sont bien sur le toit comme je vous avais placé, la bad box et tout. Voilà. Par contre, j'ai un petit problème. C'est que la bad box en fait ici. Elle a qu'un point de sortie. Donc en gros, quand la query est occupée de tourner, eh ben les machines là, elles tournent plus. Du coup, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je refasse des panneaux solaires, que je déplace ceci et que je branche avec sur une autre bad box la query. Parce que si pas, c'est la merde. Hein, parce que si pas, je suis coincé. Du coup, j'avais prévu de faire ça avec vous et faire l'electric wrench parce que la petite clé, je l'ai pas sur moi, elle est dans le coffre là-bas. Parce que la petite clé de base c'est bien, mais rechargeable, etc. c'est nettement mieux. C'est nettement mieux. Et j'avais aussi prévu vite fait commencer à dégager là-bas en haut pour prochain épisode. Faire le champ, enfin tout ce qui sera champ, etc. là-bas en haut. Et peut-être même commencer. Ouais, non, je sais pas en fait. Je sais pas encore comment je pense faire ça. Faire le coin des abeilles, etc. Non, ça on va attendre. On va attendre qu'on s'occupe de ce mode-là. Donc vous voyez, si je vais m'attarder sur le branchement. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les panneaux solaires. J'ai branché à la bad box qui se remplit, qui se vide en même temps. Donc c'est parfait. 6 panneaux solaires, suffisant. Donc des panneaux solaires, va falloir que j'en refasse un. Hein. Que si pas ça va pas tenir. J'ai déplacé un câble copper là. Un electric cable engine. Avec un wooden kinesis pipe donc qui permet de faire sortir l'énergie. Ça va dans un stone kinesis pipe. Le stone kinesis pipe peut transporter plus de Minecraft Minecraft Joule ou un truc du style. Ouais, Minecraft Joule, ça s'appelle que les stones, mais bon, là on n'a pas des grandes capacités, enfin des grosses charges d'électricité dedans, donc c'est pas vraiment pratique. Ça passe tout derrière le mur là,
Voilà. Ici, en dessous, ça redescend. Donc ça redescend droit. Voilà, pouf. Ça redescend jusqu'ici, ça passe là en dessous. Enfin, le bloc derrière là, ça passe là. Ici. Et ça sort ici. Voilà, j'aurais pu la faire là en dessous, mais de toute façon, si on s'en fout, la curie, elle va être déplacée après. Et du coup, bah, là, la curie est occupée de miner. J'ai failli tomber dedans. La curie est occupée de miner, doucement. C'est pour ça que j'aimerais rajouter un deuxième engine, mais pour ça, il faut que je me fasse plein de panneaux solaires. Et du coup, c'est ce que je pense qu'on va faire ici, juste après. Parce que j'ai du rubber wood à extraire. Eh ben, j'ai pas les machines à disposition et du coup ben, c'est un peu emmerdant. Donc ici, si on regarde dans le coffre, il y a pas beaucoup de... Ah, ça j'aurais dû... Limestone en fait, elle sert à quoi? Tu sers à quoi toi, la limestone? Tu sers à rien. Ouais, t'es moche. Du coup, ben, la limestone on n'en veut pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre dans le diamond pipe. On va faire que ça passe dans le jaune. Et on va faire que ça passe... dans le noir et dans le jaune, voilà. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais vite faire récupérer le copper qu'il y a là, parce que du copper j'en ai besoin, j'en aurai besoin pour faire tout ce qui est câble, etc. Et c'est toujours intéressant d'avoir du copper, on le mettra. On le mettra au macérateur quand les machines fonctionneront. Et ce sera ok. Du coup, le charbon j'en ai pas vraiment besoin. Et du copper, je crois que du copper j'en aurais besoin pas mal, hein. Peut-être même déjà pu prendre ce qu'il y avait dans le coffre, mais ça je vais attendre pour vous pour voir tout ce que la curie a récolté. Alors, Copper, j'en ai encore là. Ah oui, petite anecdote. Là, vous allez vous foutre de ma gueule, vous le voyez au niveau. Comment dire que je me suis fait enculer 50 niveaux. Comme vous avez pu le voir. Les épisodes précédents, j'étais 40 aidés, donc depuis le temps ici, j'ai joué encore un petit peu bah, pour faire panneau solaire et tout, j'avais encore gagné un peu d'XP. Et je suis monté niveau 50. Hein? J'étais à 51. 51, 52, un truc du style, pas loin. Et Halo a créé un monde pour mettre nos queries. Mais le problème, c'est que c'est avec les boucles, les livres. Et c'est qu'il y avait un putain de gros temps de latence de caca. Hein. Il y avait un putain de gros temps de latence dans le monde, en fait. Et ça, plus des sables mouvants juste à côté du spawn, donc je vous dis pas. Il y avait ça. Et puis, il y avait des zombies. Et comment dire que les zombies, ils faisaient du surplace. Ils étaient trois. Il faisait du surplace et moi je pouvais bouger, etc. Mais les zombies, je les vois pas, je les voyais pas me poursuivre, mais ils me mettaient des dégâts. C'était à 3 contre moi, je les voyais pas, du coup bah, ça a mal fini. Je me suis fait one shot une fois, hein, mais littéralement one shot, hein, c'était les points, hop, je suis mort. Voilà, et ça faisait réellement, enfin, ça faisait à cette vitesse-là quand je perdais le bruit que je perdais mes points de vie. Ensuite, j'ai essayé de récupérer ma tombe. Je suis mort. Encore une fois tué par les zombies. Une troisième fois tué par les zombies. Et au bout de la quatrième fois, ça a arrêté de bugger. Du coup, j'ai récupéré mon stuff, mais je me suis fait enculer tous mes points d'XP. Du coup, je suis deg. Déjà que les berries là aussi, vous avez vu, j'en ai moins. Avant, j'en avais 6, un truc du style. Ouais, 6 ou 7, et je m'en suis fait baiser 3 parce que t'as un putain de creeper de merde qui a explosé. Du coup, bah, je suis deck pour une vie XP. En plus, je pensais me faire là XP machin, les réservoirs XP. Je sais plus le nom du mode, je l'avais un là. Open, non, c'est pas ça. Liquid XP là, mais c'est pas open block. Si c'est open block, bah ça en gros. Faire les liquid XP, tank et tout, et ben bah, ça me sert plus à rien. Ça, je les aurais fait dans ma maison que je reconstruis là-bas. Ça, faudrait aussi commencer à dégager le terrain, mais ça, je le ferai en off, je pense. Et je regarderai pour me construire une maison potable. Mais je le ferai avec vous, ça. Un épisode dédié pour ça. Mais le prochain truc qu'on va faire, la construction, ce sera le.
Ce sera les petits champs là en haut. Il y aura tous des champs comme vous pouvez le voir. Hop, je vais vous montrer ça. J'ai plein de pousses d'arbres, de graines différentes, du coton et tout. Et je pourrais créer tous des champs, vous faire pousser ça et tout. Plus les berries là qu'il faudra que je change de place. Il y a des modes pour faire les barres, il y a du raisin et tout. Enfin, c'est un truc de malade. Hop, c'est un truc de malade tout ce qu'il y a. Bon, ça va, l'XP on le récupère quand même rapidement. Faudrait qu'il chauffe plus vite lui. Pour que la curie elle aille plus vite, mais je sais pas comment faire. Les wooden ils acceptent que 20 je crois, faut des émeraudes pour avoir plus. Ah non, hein? Non, j'ai rien dit. J'ai rien dit, et les stones sont 60 RF et là on est qu'à 20, donc c'est que ça vient du moteur, je sais pas comment ça se fait, faut qu'il chauffe, faut qu'il reçoive plus d'électricité. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter encore des solar panels, on va encore en faire 3 ensemble. Et on va regarder pour se refaire une bed box pour que pour l'énergie du truc là. Comme il faut du coal. Alors, un peu de redstone et c'est tout. Non, c'est tout du fer et tout, j'en ai encore. Ah ouais, mais je suis niqué. Je suis niqué parce qu'il me faut de la dust. Et pour faire de la dust. Là, j'ai encore un peu de câble. Et pour faire de la dust, eh ben, il faut. Donc, du coup, la query, tu vas t'arrêter 2 secondes. Pour faire de la dust, il faut. Non, dans l'autre sens, putain. Ah bah, je suis niqué. Baiser de la vie. Il faut qu'elle soit dans ce sens-là. Voilà. Hop. Du coup, normalement, là, c'est censé fonctionner. Hop, copper, l'extracteur. Va faire le copper en attendant. De toute façon, la poudre, la dust, là, on n'en a pas besoin. Du verre, j'en ai encore un peu, je crois. Ouais, j'en ai suffisamment. Fer, tin, redstone. Encore du fer, ça, c'est plus pratique. On va faire ça dans le coffre, là. Hop. Le poulet et tout ça, je sais pas ce que ça fout là, j'en ai pas besoin. Ah, parce que j'utilise. Thierry, ça j'en ai pas besoin. Alors, on va commencer par faire masse de câbles. On va essayer déjà avec ça. Ouais, le marteau il va pas aller loin. On va couper. Ça nous fait 22 câbles. Normalement, si je rajoute cela, on en a assez. Au pire, on a toujours du copper. Du coup, on va commencer par les circuits électriques. Donc ça, il nous en faut 6. Donc on est parti à 6 plaques de fer, il m'en reste plus, nope. Marteau. Le marteau il va pas résister, je crois. Il va falloir que j'en refasse un autre. Du coup, 6 plaques de fer. Des plaques de fer nous en faudra nettement plus. Et de la redstone. Voilà, ça on en a assez. On est parti. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boum, boum, boum. Pas assez de câbles. On va faire le reste. Hop, parce que des câbles, il va nous en falloir, mais des tonnes et des tonnes et des tonnes. Il va aussi nous falloir des câbles de tin. Pas assez de rubber pour tout, c'est pas grave, j'en aurai après. Du coup, il nous en manque encore deux. Hop, hop. Deux, deux. Boum.
Il nous faut des fours. Pour ça, il me faut de la cobble. Maintenant, le craft du solar panel, vous le connaissez. Du moins, j'espère. Vu qu'on en a fait, on est censé en avoir fait juste avant. Du coup, ça va être du craft de solar panel en masse. Je vais tous les passer. Hop, normalement j'ai tout juste assez. Boum. Boum. Voilà. Là, normalement, non, on est tranquille. Une, deux. Trois. Boum. J'en ai bien trop, super. Il nous faut les batteries, les batteries, les batteries. Si je dis pas de bêtises, ça nous en donne deux à chaque fois. Ça fait une, deux, ça fait un. Voilà, ça nous en fait trois. Parfait. Et il nous faut encore un câble. Par contre, il me faut du rubber, parce que si pas là, je suis dans la merde. Si le serveur veut répondre. Ah, voilà. Hop! On va faire ça, on va finir d'insuler les 6. Du rubber, faut que j'aille couper du bois, tout après. Alors, les batteries, c'est comme ça. 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà, parfait. J'ai bien calculé mon coût. Hop, hop, et 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Boum. Alors, il nous manque le verre et la dust. Donc ça, il nous en faut. On va faire 10. Ouais, on va en faire 10. Je vais mettre tout en place. Boum. Ça, j'en aurai pas assez. Ah si, tout pile. Non, merde. Nous en manque 3. 2, 3. Le marteau, je l'ai sur moi. On va aller à celui-là, du coup. Voilà. Et qu'est-ce que je fais en fait? Je suis vraiment con. Je suis vraiment con. Il me faut juste du verre. 2, 3, non. 2, 3. Et la dust. C'est tout. Je sais pas pourquoi dans ma tête. J'étais encore sur le craft de l'autre là. J'étais encore sur le craft de l'autre truc. Du coup, on attend. On attend. Manque plus que 3. Donc, ce n'est pas des gros crafts compliqués, ce que je suis occupé de faire là, mais c'est important de les faire. Et je regardais Solar Panel. Caplock enfoncé, super. Celui du dessus, il faut juste un LV Transformer et 8. Du coup, là, on en a 6, on en aura 9. On pourra faire ça, le LV Transformer, il se fait comment? Ouais, c'est relativement simple. C'est relativement simple, on pourra se faire ça. Et 3, hop, on va pouvoir se faire un height. Boum, 3 solar panels de plus. Du coup, je vais juste essayer un truc. Si je le branche. Hop, merci. On va se faire des petits câbles pas insulés du coup.
Hop, on va se faire ça. Faut quoi d'autre pour le LV Transformer? Le câble et des planches. Sous comme porte. Plus, plus wood, ok. Je sais pas. On se fait ça et il manque les câbles. Boum, LV Transformer. On aura encore assez pour un solar panel. Au pire, attendez, vous savez qu'on va dormir. Pour pas être emmerdé par les monstres. Je sais absolument pas à combien de temps j'en suis là. 19 minutes, ok, ça va commencer à faire long. Du coup, ce qu'on va faire. Eh ben, c'est que moi je vais vous laisser là. Et vu que je suis un enculé, je vous retrouve dans le prochain épisode. Donc, on continuera à faire tout ce qui est panneau solaire, upgrade et tout. Et du coup, le jardinier au-dessus, ce sera peut-être pour le prochain épisode. Ou bien pour l'épisode d'après. Tchuss tout le monde!